On a retrouvé le soleil. Il fait beau. Du coup, il fait froid, là, et on a moins 22, moins 23, quelque chose comme ça. Les températures ont bien baissé. On a repris, du coup, 20 degrés de moins. Mais, du coup, tout est beau, tout est gelé, et on a le soleil. Et ça, c'est super. J'ai sorti les lunettes de soleil, parce que la réverbération sur la neige, c'est impardonnable. Ça donne des migraines ophtalmiques affreuses. Et d'ailleurs, il va falloir que j'investisse dans des lunettes un peu plus costauds, là. Avec peut-être des rebords, là, des lunettes de glacier. Et Clément aussi, parce que c'est vrai que dès qu'il y a du soleil comme ça, directement, on se tape des migraines. Mais c'est cool. Donc aujourd'hui, on ramène Chacha à l'aéroport. Ça y est, elle repart, elle prend un avion, là, ce matin. Et après, on va aller faire quelques courses, tout ça. Et puis, la semaine continue. J'espère que ça va rester comme ça, parce que regardez, oh, c'est trop agréable. J'adore, là on va arriver dans une super période où il va faire jour la moitié de la journée, il va continuer de faire froid, il va encore y avoir de la neige, ça va être une espèce d'entre-deux là, qui va être vraiment top. Bon allez, let's go. Elle est belle notre maison sous le soleil. Ça y est, on a redéposé Chacha à l'aéroport, donc voilà, c'est la fin de ces 15 jours, et puis nous on continue. L'aventure pour nous continue. L'aventure en Laponie. Et en même temps, on en parlait dans la voiture et nous on se disait mais maintenant on a envie d'être nulle part ailleurs qu'ici, donc ça nous va bien, hein. Ça nous va bien cette vie là dans le froid. D'ailleurs on me demandait si on se lassait pas un peu du froid et tout, mais non, non. Moi j'aime ce temps-là, j'aime ces températures, j'aime le froid, j'aime la neige. Regardez ce que j'ai trouvé. Yes, on a refait le stock d'Ice Tea. Pêche et citron. J'ai pris les deux. On a retrouvé les températures laponnes. Et ma poulette. Oh comme t'es belle. On m'a demandé un petit peu au niveau des prix comment ça se passait ici. Donc pour vous faire une idée, ça ce sont les courses qu'on a faites là tout à l'heure. Donc pour tout ça, on en a pour 180 €, sachant que voilà quoi, on regarde pas trop. Nous on mange des petites salades, des petits trucs comme ça. Ça c'est pour faire des salades de lentilles. Ça c'est du café froid, latte, sans lactose. Bon voilà, ça c'est la charcuterie pour Clément. Moi je me suis trouvé du thon là, c'est exceptionnel quoi. Déjà il y en avait et de deux il était à la barquette comme ça avec les deux morceaux, c'était 2 €. Parce que ça se périme en fait demain, donc il faut que je les congèle. L'Ice Tea, produits ménagers, des déodorants, du shampoing. Bon bref, on a tout ce qu'il faut à peu près pour quoi, une semaine? Ouais à peu près. À peu près une semaine, voilà. Donc 180 €. C'est pas donné, mais en même temps, ça va. Nous, on se contente de ça, on va dire. On a moins 24 aujourd'hui. Les températures sont bien redescendues, là. Il fait beaucoup plus froid. Et aujourd'hui, c'est assez joli parce qu'il neige, vous voyez. Mais en même temps, il y a du soleil, c'est très lumineux, c'est pas du tout gris et monotone. C'est trop sympathique. On a du coup toute la végétation qui s'est recouverte de neige de nouveau. Donc c'est très sympa. Là on a épuisé tout le stock de bois qu'on avait au sous-sol de la maison. Donc il va falloir en re-rentrer. Je vais aller voir comment c'est fichu parce que je sais pas si avec la voiture au milieu là, on va pouvoir aller accéder au bois ici. Si on va pouvoir accéder au bois. Bon ben on va faire ça du coup. Bois qui est là-dessous. Voilà. Pas très pratique, mais bon, je vais enlever les 3 bêtises qu'il y a devant là. Et puis je vais essayer de ramener du bois. à la maison parce qu'il fait un petit peu froid. Avec l'assistant point point. Tout s'est passé bien avec l'assistant point point. Bon allez, je fais un deuxième voyage et ça devrait être bon. Cette semaine, il faudrait aussi qu'on enlève le sapin de Noël qu'on n'a toujours pas enlevé. Voilà, pour être tout à fait honnête. On est le 7 février. Et il serait temps, n'est-ce pas? Donc on va faire ça... espérons-le, allez. Avant la Saint-Valentin, c'est notre échéance tous les ans, ça. Enlever le sapin au moins avant la Saint-Valentin. Gaïa, elle est punie. Enfin, elle est punie. Je l'ai rentrée parce qu'il y a 10 minutes, là, il y a une voiture rouge qui est passée et puis elle s'est carrément jetée dessus. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Donc voilà, je l'ai mise à l'intérieur. Parce que bon, elle a deux doigts de se faire écraser parce que aucune voiture n'a le droit de passer dans notre rue, selon elle, aucun être humain, rien du tout. Donc bon, c'est pour lui dire qu'on n'est pas trop d'accord, quoi. Second round. Alors, vous restez là. Il y a du soleil et en même temps il neige. Je trouve que c'est le temps le plus beau, ça. Mais point point. Ah là vous êtes heureux hein. Ah bah oui. Là on peut voir à peu près toute la neige qu'on s'est pris cet hiver. Ici, si je retrouve, mais oui je l'ai dans mes fichiers, j'avais fait une prise de vue avec mon appareil photo, de nous quatre en train de marcher de dos comme ça, en été, ou à la fin de l'été, je sais plus, peut-être septembre. Donc j'essaierai de la retrouver pour qu'on puisse se faire une idée de la quantité de neige. Là clairement on ne peut plus y accéder à ce chemin, mais il fut un temps on pouvait. Et ça mène en plus à une clairière avec des forêts pleines de baies et tout ça l'été. Enfin bref. Je pense qu'en cumulé on a eu plus d'1,50 m. Parce que là ça fait quoi? Ça fait 36 heures qu'il neige. Sans interruption, malgré le fait qu'il fasse un joli temps. Et regardez l'épaisseur qu'on a. Ça, c'est ce qui est tombé depuis 36 heures. Donc on a de quoi faire. Et c'est somptueux. soyez indulgents, je me suis levée il y a moins d'une heure. Je suis préparée, mais dur. Ce matin, on va visiter une maison. Non pas qu'on ait un projet particulier pour l'instant, on va juste voir ce qu'il en est. C'est l'agent immobilier qui nous a vendu cette maison-là, qui la vend à celle-là aussi. Elle n'est pas très chère, de l'ordre des 35 000 €, quelque chose comme ça. Et on va voir un petit peu dans quel état elle est, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là à 20 minutes là au nord de chez nous. Et juste prendre la température au niveau du marché, on va dire. Donc rien de particulier pour l'instant, pas de projet lié à cette maison, mais il y a celle-ci et une autre qui est à vendre qu'on aimerait passer voir. Donc on va voir ce qu'il en est. Il y en a de la neige, hein. C'est pas très léger. On a l'entrée. On a... Bon, c'est le bordel, hein. Il nous a dit de pas faire gaffe, mais la salle à manger avec la cuisine. Ici, on a quoi? C'est une sorte de bureau, ici. Ouais, salle à manger, peut-être plus. Peut-être salle à manger. Un placard, là, sur la droite. Regarde, c'est communiquant avec la cuisine. Ouais, donc peut-être possibilité de casser le mur? Potentiellement, ouais. Pour agrandir, pour faire une grande cuisine, salle à manger ici, sur ces deux pièces, là et là. Ici, c'est le salon. Donc il y a des rénovations à faire. Ça, c'est un cabanon de stockage qui est neuf, là, qui a 2 ans. Le terrain va vraiment jusqu'au bout et même mange un peu dans la forêt. Là, on a une cheminée, un frigo dans le couloir. Donc voilà, en fait, ça, on peut faire vraiment tout le tour comme ça. Ici, on a une salle de bain qu'il faut vraiment rénover. À la suédoise, toujours, hein, avec la bonde par terre, la douche au mur, et pas nécessairement de rideaux de douche ou de parois. C'est souvent comme ça ici dans les vieilles maisons. Nous, on préfère soit mettre une cabine de douche pour quand même rester aux normes, soit refaire quoi, le système, à la limite. Là, ces escaliers qui mènent au sous-sol. Et après... il y a l'étage. Ah là, tu vois, c'est un peu plus... ça a bougé là. Ça a bougé ou c'est la tapisserie? This is the same, but just another wallpaper. Là, on est en escalier, il y a un palier. Let's say early 80s. Une première chambre avec placard. No, this is not composite, it's woman. Okay. Une deuxième chambre. Des pièces assez grandes, hein, avec un placard au fond. C'est un peu la même disposition que chez nous. Il y a un placard ici. Et là, il y a le garage dehors. Sachant qu'il y a à peu près 5000 m² de terrain avec autour. Donc ils vont dans la forêt. Dans chaque maison qu'on a visitée ici, il y avait une machine à coudre Singer. D'ailleurs, nous, on en a une vieille machine à coudre Singer. J'adore les portes, par contre. Les portes sont très très belles. On n'a pas eu la chance d'avoir d'aussi jolies portes comme ça chez nous, quand on a retapé notre maison. Alors qu'ici, il y a ces portes-là, partout. Partout, partout, partout. Et je pense que c'est pas donné une porte comme ça. Là, on est dans le sous-sol, il y a une chaudière qui est neuve quand même, qui coûte le prix de la maison en fait. Voilà, il y a plein de pièces, il y a aussi un sauna comme dans toutes les maisons. C'est le bordel toujours. Mais il y a de la place pour des rangements, ce genre de choses. Donc c'est pas mal, il faut rénover évidemment, mais si on arrive à visualiser, ça peut être pas mal. Le garage. Alors, verdict. Verdict, attention à ton... Pas mal. Vraiment intéressant. Bon, après, on n'est pas en recherche absolue en ce moment, hein. C'était vraiment pour prendre la température, comme je disais, pour voir un petit peu ce qui avait disponible et tout. Et là, j'ai froid. Et puis voilà, donc on va voir un petit peu. Il y en a une autre là. On n'arrive pas à joindre la jante qui s'en occupe, de la jante immobilière qui s'en occupe. Elle ne répond pas, mais on aimerait bien la visiter, donc on va voir. Mais celle-ci, pour le coup, était pas mal. La disposition était bien. J'ai trouvé ça... Enfin, elle est lumineuse, elle est saine. Mm-hmm. Elle est bien organisée. Niveau rénovation, je pense que c'est équivalent à la nôtre. Ouais. À peu près, ouais. À avec, deux choses près. Peut-être quelques bricoles en moins, tout ce qui était plomberie au sous-sol, parce que ça, il a fallu qu'on s'en occupe. Il y a déjà des arrivées d'eau qui sont mises côté salle de bain. Alors, la maison est chauffée, contrairement à la nôtre. Quand on l'a achetée, la nôtre était à l'abandon depuis 2 ans. Donc tout avait gelé, donc il a fallu refaire tout le réseau de plomberie. Et là, j'ai pas l'impression, quand on est arrivé, il faisait 10-12 dans la maison et elle est chauffée perpétuellement. Je pense qu'il y a ça peut-être au moins. Là, on est en train de passer sur la rivière pour rentrer chez nous. Vous voyez, ça c'est le ferry qui est utilisé en été. Juste là. Et là, on est sur la rivière Calix. Avec ce joli soleil. Ça va, il fait moins 20, on va pas traverser la glace. Moins 22. Moins 22. Je pense pas qu'ils ouvrent s'il y avait des risques. Non. Là, je suis en train de casser. Pourquoi? Parce que quand on rentre avec la voiture, la hauteur du garage n'est pas suffisante. Donc ça veut dire que s'il y a de la glace sous les roues, ça crée une problématique pour pouvoir rentrer sans toucher le haut de la voiture avec la porte du garage. Donc c'est du boulot, mais c'est nécessaire. Vous voyez l'épaisseur là, la main à côté, il y a bien 200 cm. Ce matin, il était bien temps de déneiger. On est samedi là matin. Et il y a toujours ce temps que j'aime le plus, je crois. C'est un peu couvert, mais en même temps il fait beau, on a du ciel bleu. Il y a le soleil et en même temps il neige, mais c'est de la neige très très fine. En fait, c'est comme des flocons uniques qui tombent comme ça et qui sont très très bien dessinés. En plus, je les ai pris en photo là tout à l'heure sur en vidéo sur le cadre de mon appareil photo. Sur le noir, en fait, on voyait bien les flocons se distinguer les uns des autres et on dirait comme du cristal qui tombe. J'ai fait une publication sur Instagram d'ailleurs avec l'image du soleil qu'on voit à travers les nuages en fait et on voit très bien sa silhouette comme ça et on pourrait presque croire que c'est la lune. C'est trop beau. Ça fait 3-4 jours là que c'est comme ça maintenant. Janvier a été un mois chargé mine de rien puisqu'on a accueilli tout le monde, les proches, la famille et là on retrouve un peu notre rythme depuis une semaine tous les deux là avec les points. et ça fait du bien parce qu'on est beaucoup plus tranquille. Donc forcément j'ai un peu moins filmé cette semaine, mais parce qu'on s'est reposé aussi, étant donné qu'en janvier on a fait énormément de sorties pour forcément faire découvrir la Laponie, mais en même temps on a continué de travailler, on a fait les travaux dans la maison. Donc là cette semaine on s'est un petit peu posé aussi, et c'est pas plus mal, ça fait un peu de bien. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été assez longue et assez complète pour vous. D'ailleurs, j'ai remarqué là que on approchait des 1000 abonnés déjà. Et c'est vachement chouette parce que ça fait quoi? Ça fait 3 mois et demi à peu près que j'ai posté la première vidéo. Et je pensais pas que ça plairait autant en fait, ce genre de format sur la Laponie là. C'est parce que c'est pas vraiment du format voyage vu qu'on habite ici, mais je me suis dit, je sais pas, je pensais pas que ça plairait autant, et en fait ça plaît, donc c'est chouette. J'ai l'habitude de dire merci en fin de vidéo, mais là vraiment merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, en tout cas de montrer de l'intérêt dans ce que je fais et dans cet endroit qui est si beau, si magnifique, si magique. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool de voir que ces belles choses intéressent du monde, parce que c'est vrai que nous on adore cet endroit, mais je peux comprendre aussi qu'il y ait plein de gens qui soient pas forcément attirés par les endroits froids, enneigés et compagnie, mais je vois qu'en fait si. Donc c'est vachement top. Ce que je voulais dire aussi, avant que j'oublie, mais je le répéterai jusqu'à ce que ça arrive dans les prochaines vidéos, c'est qu'il y aura une semaine au mois de mars où je ne pourrai pas publier de vidéos dans ce format-là. Donc ce que je ferai, c'est une sorte de foire aux questions, parce que j'ai quand même eu pas mal de questions depuis que j'ai commencé sur plein de trucs concernant la vie ici, sur nous et compagnie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à les mettre, soit en commentaire, soit sur Instagram, peu importe. Et puis j'en prendrai quelques-unes auxquelles je répondrai du coup dans une vidéo qui sera publiée donc cette fameuse semaine début mars, normalement, pendant laquelle je ne pourrai pas publier de vlog comme je le fais d'habitude. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. S'il y a assez de questions, je ferai ça. S'il n'y en a pas assez, je ferai autre chose. Je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quoi qu'il en soit, on se dit à la semaine prochaine. On a petites choses sympas à faire la semaine prochaine. En particulier, une visite d'une autre maison. Donc, à la semaine prochaine. Bye.